Je suis William Haribar, magicien, producteur du spectacle Le Sortilège de Neige. Le Sortilège de Neige, ça va être le premier spectacle où on va associer de la danse, du chant, de la comédie et de la magie. On est presque sur une forme de comédie musicale avec de la magie, effectivement, parce qu'il y aura beaucoup de danse, beaucoup de chant, du théâtre, mais la magie garde quand même une place très importante dans ce spectacle. C'est quelque chose d'assez spécifique. Souvent, généralement, les spectacles de magie sont assez centrés sur la magie, justement, des numéros qui s'enchaînent. Là, nous, on raconte une histoire, on emmène tous les spectateurs au cœur de la Russie mystérieuse, dans un conte fantastique avec des personnages, avec du coup une trame narrative qui va se poursuivre tout au long du spectacle. On verra des personnes voler dans les airs, apparaître, disparaître, se téléporter, des illusions très visuelles, très flash, très impressionnantes. La difficulté lorsqu'on fait un spectacle avec une histoire, c'est que du coup on a des personnages très forts, très marqués et spécifiques selon chaque thématique. Là on part en Russie, donc on a des personnages qui sont très proches de cet univers et de l'histoire. Une princesse avec laquelle on va poursuivre l'histoire et également des personnages plus inquiétants comme des soldats, des gardes. À un moment on va avoir 12 gardes autour de nous qui vont nous menacer. On aura des personnages plus légers, plus drôles, comme par exemple Zol, qui est un poisson en or, sautillant, pétillant et qui peut exaucer des vœux. Et également la sorcière, la Baba Yaga, que l'on va tenter de vaincre. Au total, plus de 22 personnages dans ce spectacle. Moi, mon personnage, on souhaitait qu'il soit constant sur les différents spectacles. Ce qui veut dire que dans le Sortilège des Neiges, je vais intervenir, mais en tant que William Haribar, le magicien. C'est William Haribar qui entre dans le monde du conte. Pour monter un projet si grand, ça demande plusieurs années de travail. L'idée de ce spectacle, elle a émergé il y a 3 ans déjà. Et ça fait 1 an et demi qu'on a commencé vraiment à travailler en détail sur ce projet. Et notamment les derniers 6-7 mois avec déjà les premières pistes sur les musiques, les costumes, les personnages. La première de ce spectacle, elle se fait à la Bourse du Travail de Lyon, qui est une salle de 2000 places. Parce qu'on a besoin de très très grandes salles, déjà pour avoir un grand plateau scénique, parce que le show est énorme, on a plus de 20 acteurs sur scène, 20 comédiens, et parce qu'on attend énormément de monde sur ce spectacle. Dès l'ouverture de la billetterie, on a déjà eu plusieurs milliers de spectateurs qui ont réservé leur place.